الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إخواني الكرام le temps s'égrène, le temps passe très vite et nous retrouvons déjà, nous sommes déjà dans les 10 derniers jours de Ramadan. Dans les 10 derniers jours de Ramadan, Ibn al-Qayyim, Ibn al-Jawziy dit, les chevaux, quand ils arrivent en bout de course, c'est là où ils lancent, ils donnent le maximum de ce qu'ils ont comme énergie pour arriver premier. C'est pas là où on doit se lâcher. On a reçu Ramadan, c'est un cadeau divin. Et ce Ramadan qu'on a jeûné, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte de nous, qu'il agrée, on a essayé de célébrer Ramadan par Tarawih, par la lecture, la méditation du Coran le soir. Il nous reste cette semaine-là, qui nous reste entre les mains, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite pour qu'on se rapproche et qu'on soit en proximité divine. Aujourd'hui, ayyuhal ikhwa, comme nous sommes dans les 10 derniers jours, je voulais partager avec vous quelques méditations sur Sourate Al-Qadr. Sourate Al-Qadr, qui est la sourate 97, elle est classée 97e sourate du Coran. Si vous remarquez, dans Tasalsul Al-Qur'an, dans la succession des sourates, il y a toujours des sagesses. Alors, Sourate Al-Qadr, elle est précédée par quoi? Elle est précédée par Sourate Al-Alaq, qui est les premiers couplets, c'est les premières ayats qui sont descendues sur le prophète. Et les premières ayats qui sont descendues sur le prophète, elles demandent quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, elles demandent quoi? Le premier verset qui descend, première ayat qui descend, « Iqra' bismi rabbik ». On ne peut atteindre la proximité divine, on ne peut réussir. « Idha arata al-dunya fa'alika bil-ilm »« Wa idha arata al-akhira fa'alika bil-ilm »« Wa idha arata huma ma'an fa'alika bil-ilm » Tu veux la dunya, il faut que tu apprennes. Tu veux l'akhira, il faut que tu apprennes. Tu veux les deux, il faut que tu apprennes. Ce n'est pas possible autrement. C'est pas possible. Sourate Nazalat, Sourate Al-Halaq. Avant Sourate Al-Halaq, donc vous avez Sourate At-Tin. Alors vous avez Sourate At-Tin, ensuite Sourate Al-Halaq, ensuite Sourate Al-Qadr. Quel lien y a-t-il entre ces trois sourates? Et c'est ça l'insupérabilité du Coran. L'insupérabilité du Coran, c'est que dans chaque terme, dans la succession des lettres, dans la succession des sourates, dans la vous avez ce qu'on appelle un miracle coranique. Allah subhanahu wa ta'ala, fi surat al-Tin, qui est avant surat al-Alaq, il dit « Wa al-Tini, wa al-Zaytoun, wa turi sinin, wa hadha al-Balad al-Amin, laqad khalaqna l'insana fi ahsani taqwim » Allah, il parle de Tin. On peut comprendre littéralement cette surat en disant qu'Allah, il parle des figues, al-Zaytoun, l'olive. Et les savants nous disent que dans Tin, il y a plein de fibres, il y a plein de sucre, et que c'est très bon pour la santé. Al-Zaytoun, je ne vous dis pas l'huile d'olive. Les savants, ils ont tiré en fait une multitude d'informations de ces deux versets-là. On peut comprendre littéralement ça. D'autres savants, ils vont plus loin. Qaloutin, le pays des figues, c'est l'Anatolie. Et l'Anatolie, c'est le pays de Sayyidina Nuh. Zaytoun, c'est la Palestine. Ou bien Bilad al-Sham. Quand on dit Bilad al-Sham, c'est la Syrie, la Palestine, la Jordanie, le Liban, tout ça. Ardhul Mubaraka, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Et l'olive, c'est le pays de Jésus, Bilad al-Isa. Le mont Sinaï, Tour Sinin, c'est l'Égypte, c'est Belad Sayyidina Moussa. Et qu'Anna Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa hadha al-Balad al-Amin, le pays où tu t'es établi, Muhammad, qu'Allah a choisi pour mettre son Masjid al-Haram, c'est la Mecque, Amin. Il y a une sérénité, une sécurité, wa yutakhattafu al-Nasu min hawlihim. Il y a des guerres autour, jamais la Mecque n'est touchée, jamais. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que c'est le balad al-haram. Et qu'Anna Allah subhanahu wa ta'ala il dit à Sayyidina Muhammad, il lui dit, tu n'es, ya Muhammad, que la succession des prophètes qui t'ont précédé. Nous ne sommes
que ce maillon dans lequel tous les autres prophètes sont venus. On ne peut pas être croyant musulman si on ne croit pas au message de Moussa, si on ne croit pas au message de Isa, si on ne croit pas au message de Sayyidina Nuh. Ya Muhammad, tu es la succession de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé sur terre. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit « لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ » Nous avons créé l'homme dans la meilleure des façons. Quand la psychanalyse elle nous dit que l'homme est complètement cassé et qu'elle a été créée cassée et qu'on essaie un petit peu de la rafistoler, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit non. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ Et notre bonheur, ayyuha l'ikhwa, c'est cette proximité avec Dieu, cette proximité divine. Allah subhanahu wa ta'ala, comment il finit la surah? Il finit la surah « أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ » Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'est-il pas le plus sage des juges? Le plus sage des juges nous demande quoi? Iqra, juste surah qui vient après, iqra, récite. Subhanallah al-Azim. Récite, apprends. Iqra, au nom du plus sage des juges. Iqra, bismi rabbik. Et on a dit dans kalimat tarbiya, vous voyez dans kalimat tarbiya, en arabe on dit rabwa, rabwa pour un monticule, quelque chose qui monte. On dit riba, riba c'est l'évolution, c'est monter justement. La tarbiya, c'est accompagner quelqu'un jusqu'à ce qu'il atteigne la maturité. C'est ça, tarbiya. Allah subhanahu wa ta'ala, le mot rab, rabbuk, c'est celui qui l'a dit rabbak, celui qui t'a éduqué, celui qui t'a accompagné pour que tu acquières toute cette connaissance et pour que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala, ahkamul hakimin, il nous dit, ya Muhammad, vous les musulmans, vous n'êtes que la succession de ce qu'il a envoyé avant. Fi akhir surat al-halaq, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَسْجُدْ وَقْتَرِبْ Prosterne-toi et rapproche-toi d'Allah. Alors il nous demande de réciter, de lire, d'apprendre. Mais on doit apprendre quoi? Tu dois apprendre ce que Allah أَنْزَلَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ Regardez cette succession merveilleuse qu'il y a dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala il te dit, récite, aqra, rapproche-toi d'Allah. وَسْجُدْ وَقْتَرِبْ La meilleure façon وَإِنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدْ Tu es la meilleure façon d'être proche d'Allah quand tu mets la plus noble chose que t'a donné Allah, ton visage. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on te dit la boxe, il y a des ulama qui ont interdit la boxe. Pourquoi? Parce qu'on frappe le noble visage qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Mettre ce noble visage par terre pour montrer ta soumission à Allah, هَذَا هُوَ الْقُرْبُ C'est ça la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. En même temps, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, lis, alors quoi ? Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Tu dois lire et tu dois apprendre, tu dois connaître, tu dois méditer ce que Allah a fait descendre du septième ciel. Et qui de nous peut comprendre ce que c'est le septième ciel ? Combien de fois on a dit, ayyuhal ikhwa, que nous appartenons, nous sommes sur terre, nous appartenons au système solaire, qui lui-même appartient à la Voie lactée. La Voie lactée, c'est notre galaxie. Notre galaxie, on dit, les ulama, ils vous disent, il y a à peu près 2200 autres galaxies dans l'univers. La plus proche des galaxies, elle est à quelques années-lumière. Une année-lumière, c'est 300 000 fois 60 fois 60, 300 000 km à la seconde, fois 60, fois 24, fois 365. Ça, c'est une année-lumière. Alors, quelques millions d'années-lumière, vous trouvez une autre galaxie comme la nôtre. Qui sommes-nous dans l'univers? Qui sommes-nous sur Terre? Nous sommes une quantité infinitésimale. هَلْ أَتَعَ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا Nous sommes quelque chose de négligeable. Allah, il vous choisit, ayyuha l'ikhwa. Allah, il choisit l'être humain pour lui parler et pour lui descendre ce livre extraordinaire qu'on n'a pas assez médité, ayyuha l'ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala dit « إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ Nous, nous l'avons. Inna. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle à Moussa, il lui dit Inniya an Allah. Quand il parle d'adoration, il parle de proximité. Inniya an Allah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqim as-salata li dhikri. Adore-moi, et si tu veux te rappeler de moi, le lien avec le monde invisible, le lien avec Allah, c'est quoi? Eh bien, justement, le lien avec Allah, c'est salat. Mais quand il parle d'une majesté, de quelque chose de grandiose, Inna nahnu nazzanna dhikra. Inna nahnu, nous avons descendu le rappel. Wa nazzalna min as-sama'i ma'an mubarakan. Nous avons descendu du ciel une eau bénie. Et vous remarquerez, à chaque fois qu'Allah il parle de quelque chose qu'il descend du ciel, c'est quelque chose de majestueux, quelque chose de grand, et c'est quelque chose qui permet la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait un parallèle dans le Coran entre l'eau qui
qui permet la vie, wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy, wa al-Qur'an qui permet la vie de quoi? De ruh. Wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina. Ainsi nous t'avons révélé un esprit de notre part. Min asma'il Qur'an ar-ruh, l'esprit. Quand vous enlevez le ruh d'un corps, il y a plus de vie. Il y a plus de vie. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, si tu veux vivre la hayat at-tayyiba, il faut que tu t'abreuves de ce Coran. Comme tu bois l'eau pour continuer à vivre, vous avez vu, hein, on peut supporter de ne pas manger pendant des jours, mais on ne peut pas supporter de ne pas boire. Parce que l'eau, wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Al-Qur'an, c'est l'eau de ton âme. C'est l'eau de notre âme, ayyuhal ikhwa. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahr. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, il répète trois fois le mot laylatul qadr. Wa samai wa tariq, wa ma adraka ma tariq. Allah subhanahu wa ta'ala, il répète pas trois fois tariq. Al-hutama, wa ma adraka ma al-hutama. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Il le répète trois fois. D'abord, pour montrer la majesté, la grandeur de cette nuit-là. Pourquoi ? Parce que c'est une nuit où Allah subhanahu wa ta'ala a descendu le Coran min al-bayt al-mahfouz, bayt al-izza, ila sama'i dunya. Il a descendu le Coran ila sama'i dunya. Sama'i dunya, ce que je vous disais tout à l'heure sur les galaxies, 2200 milliards de galaxies dans le monde, les ulama, ils vous disent, ça c'est le ventre mot de sama'i dunya. Donc pour vous montrer à quel point nous sommes petits, ayyuha al-ikhwa. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si vous voulez vous rapprocher de moi, voilà ce que je vous donne comme cadeau. La célébration de cet événement se fait fi alim al-ghayb, se fait dans le monde invisible. Et donc il y a un caractère hal al-tawari, il y a un état d'urgence fi alim al-ghayb, dans le monde invisible. Mais nous, on ne se rend pas compte. Comment on sait qu'il y a un état d'urgence? D'abord, le prophète, il nous le dit. Ensuite, le choix du mot. Allah subhanahu wa ta'ala قال إن أنزلناه في ليلة القدر ما كاش la nuit du destin. Effectivement, فيها يفرق كل أمر حكيم. إنها ليلة مباركة. Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est une nuit bénie et c'est une nuit où Allah subhanahu wa ta'ala va descendre des décrets. Alors le décret, il y a deux décrets en fait. Il y a le qadr absolu. Il y a le décret absolu qui est chez Allah. Allah a décrété qu'il y aura tant d'arbres, qu'il y aura tant d'humains, qu'il y aura tant. Ça, c'est les décrets absolus qu'Allah a fait. Mais il y a le décret renouvelable. Et ce décret renouvelable, Allah, il écrit justement, il le dicte aux anges chaque nuit de Laylatul Qadr. Donc imaginez ce que nous vivons en ce moment. Imaginez ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Allah a choisi le mot Qadr. Le mot Qadr, c'est un mot polysémique, c'est-à-dire qu'il a plusieurs sens. Premièrement, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Vous ne connaissez pas, il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne connaissez pas, vous ne mesurez pas Allah à sa juste mesure. Vous ne mesurez pas Allah à sa juste mesure. Donc le qadr peut vouloir dire la juste mesure. Allah qadir, Allah qadir, Allah qadir, les petites choses, les subtiles, les petites choses subtiles, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut les faire. Allah qadir, Allah, il peut finir avec l'univers en un mot. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Allah qadir, wallah qadir, ou hadha al-qadr, le destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prévalu sur cette terre ou sur nous, ayyuhal ikhwa. Alors vous imaginez tout ce qui se passe dans cette nuit. En fait, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, cette nuit, si vous vous rapprochez d'Allah, Allah, il peut changer votre vie. Votre vie peut changer. Le destin, votre destin peut changer. Inna du'a'a yaruddu al-qadr. Comme ça dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu fais du'a, mukhul ibadah. Du'a, quand tu fais un appel à Allah, quand tu fais une invocation, tu peux retourner ce que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce décret, je ne vais pas l'appliquer sur toi. Vous imaginez, c'est ça le qadr. Donc le mot qadr, il a plusieurs sens. Et c'est ça toute la subtilité du corps. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas dit, cette nuit c'est juste la nuit du destin. Non. Il nous a dit cette nuit pour que vous connaissiez la mesure d'Allah, pour que vous compreniez la puissance d'Allah, pour que vous sachiez la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, célébrer cette nuit, méditer cette nuit. Alors elle est quand cette nuit? On va se dire, elle est quand cette nuit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il tamisu laylat al-qadr fi al-witr min al-ashr al-awakhir min ramadan. Le prophète il nous dit, si vous voulez connaître laylat al-qadr, c'est essayer d'être en méditation et en proximité et être très proche d'Allah
dans les nuits impaires de Ramadan. Qu'est-ce que ça veut dire, nuit impaire? Si nous sommes le 20 Ramadan, ça, c'est la nuit de l'impair. Donc la nuit de l'impair, c'est la nuit du 21, la nuit du 23, la nuit du 25, la nuit du 27 et la nuit du 29. Ça peut être ces nuits-là. Ibn Abbas, il nous dit, si vous regardez Laylatul Qadr, regardez, Laylatul Qadr, il a dit ça à Omar al-Khattab. Il dit Laylatul Qadr, c'est une phrase qui est composée de 9 lettres. Or, le mot Laylatul Qadr est répété 3 fois, fait surat al-Qadr. Donc 3 fois 9, ça fait 27. Donc c'est la nuit du 27. Une des explications. Si vous comptez les mots, d'autres savants comme Razi ont dit, si vous comptez les mots de la sourate, salamun hiya hatta matla' al-fajr. Hiya, c'est le 27e mot. C'est une des explications. Mais est-ce que vraiment c'est la nuit du 27? Ou est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, justement par miséricorde, il a laissé inconnu? Comme ça, nous, on n'est pas dans la paresse et dans l'oisivité. On n'est pas dans la paresse et l'oisivité et on attend. Allez, le 27e jour, je prépare ma liste. Je prépare ma liste et je dis, « Ah Allah, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. » Non, il ne faut pas être commerçant, les frères. Mes chers frères, mes chères sœurs, il ne faut pas être commerçant. Pourquoi ?« Wa ma qadaru Allah haqqa qadrih » Allah subhanahu wa ta'ala, hadhi al-azama, cette majesté, moi je suis là juste pour demander des petites choses. Non, demandez à Allah al-firdaus. Demandez à Allah le plus haut degré du paradis, les frères, les sœurs aussi. Demandez à Allah le plus haut degré du paradis. Umrata Fir'aun a dit qalat rabbi ibni li indaka baytan fil jannah. Rabbi ibni li indaka sa'alat al jar qabla al dar. Marat Fir'aun, ce que elle était sous l'égide de qui? Du plus tyran des tyrans de l'histoire, Pharaon. Et qu'elle yu'adhib fiha, parce qu'elle était croyante, elle croyait en Allah. Qu'est-ce qu'elle dit à Allah? Elle dit à Allah, construis-moi une maison auprès de toi, fil jannah. Elle a demandé la proximité divine. Et on a parlé de la proximité la semaine dernière. On a dit que la proximité divine, c'est le jannah ala l'ard. La proximité divine, c'est cette sensation d'apaisement que tu as quand tu es sur terre, parce que tu sais qu'Allah est avec toi. Tu sais qu'Allah est proche de toi. Parce que tu es sincère ici, et Allah connaît ta sincérité. Comme dit Ibn al-Qayyim, الإخلاص ما لا يعلمه ملك فيكتبه. La sincérité, c'est ce que même l'ange qui écrit tes œuvres, il ne sait pas que tu es sincère ou pas. Il n'y a que Allah qui le sait. Et plus tu es sincère, plus tu es proche d'Allah, plus tu es sur le paradis sur terre. Parce que tu ne crains personne, tu ne crains rien. Pourquoi ? Tu es sous l'égide, tu es dans la proximité, tu es sur la protection de l'Ali, celui qui sait tout, qui peut tout faire. C'est ça la proximité, ayyuha al-ikhwa. Donc le mot qadar, on a dit, il est polysémique. On a dit, il y a autre chose aussi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, les anges sont sur terre. Il y a un terme que je n'ai pas expliqué aussi. Le mot qadar, pareil, c'est Razi qui dit ça. Il dit, فَأَمَّا مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne, on dit Allah subhanahu wa ta'ala il m'a honoré. Et si Allah subhanahu wa ta'ala il rétrécit notre risque, on dit Allah subhanahu wa ta'ala ah, il m'a avili. Non, kalla, Allah subhanahu wa ta'ala c'est pas, il nous dit ça, il nous dit non, kalla. Le mot qadara alayhi, qadara il a rétréci, il a réduit son risque. Alors, certains savants nous disent les anges qui descendent sont par millions. À tel point que le prophète, il nous dit, les anges, cette nuit-là, sont plus nombreux que le hassa, que les petits cailloux que vous trouvez sur terre. Les anges sont plus nombreux que ça. Et du coup, l'espace est réduit sur terre. L'espace est très réduit sur terre. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a appelé surat al-Qadr. Vous imaginez tous les sens qu'il y a dans surat al-Qadr? Alors profitons-en, ayyuha al-ikhwa. L'an Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, non seulement les anges y descendent, mais Jibril aussi y descend. Le chef des anges, il descend sur terre. Pourquoi ? Pour célébrer la descente du Coran et pour célébrer Al-Mu'minoun. Hamalat al-Arsh, yastaghfiruna lil-ladhina amanu. Ceux qui portent le trône demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de vous pardonner.
Quand vous demandez à Allah et qu'à cet homme dans cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous pardonne ce qui est passé, ce qui va venir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il vous donne de là où vous attendez pas, ayyuha al-ikhwa. Alors cherchons cette proximité. Dernier mot, ayyuha al-ikhwa, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, salamun hiya hatta matla' al-fajr. Il dit, tout décret, toute décision, cette nuit-là, salam, c'est une paix. C'est une paix, c'est une douce paix. Vous savez, c'est une paix, même si nous, on ne connaît pas la sagesse derrière, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il décrète, c'est toujours une paix. As-salam, ayyuha al-ikhwa. Il ne faut pas croire ce que... As-salam, ismun min asma'illahi al-husna. C'est un nom et un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mot salam. Al-jannah, tusamma dar as-salam. La maison de la paix. Al-muslimoun, quand ils ont construit leur grande ville à Bagdad, ils l'ont appelé dar as-salam. Nous... Commençons notre... Quand vous rencontrez quelqu'un dans la vie, vous dites « Assalamu alaikum ». Quand vous finissez votre prière, vous dites « Assalamu alaikum ». Je commence et j'entame une nouvelle vie après ma prière, après mon voyage vers Allah, j'entame une nouvelle vie par dans la paix. Vous avez vu, Allah subhanahu wa ta'ala, le but de notre vie sur terre, c'est la paix. Et je vais vous donner un autre exemple, ayyuha al-ikhwa. Les musulmans, les musulmans, quand ils sont rentrés dans d'autres pays... ne sont pas rentrés en colonisateurs, comme certains menteurs ils le disent. Non. Pourquoi ? Parce que les musulmans se sont établis, ils se sont mariés, ils ont gagné leur vie, ils ont propagé l'islam. Ils n'ont pas cherché les biens de ces pays-là pour les emmener à Médine et à la Mecque. Non, 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 non. Bien au contraire. Ils sont établis dans ces pays-là. Ils sont arrivés avec la paix. Le colonisateur, c'est le contraire qu'il fait. Le colonisateur, quand il colonise un pays, il prend les richesses du pays, il avilise la population, il prend les richesses, il les amène à son pays d'origine. L'islam n'était jamais colonisateur, ayyuha al-ikhwa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, astaghfiruhu yaghfir lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah. Un autre détail qui est décrit dans sourate ayyuha al-ikhwa, dans sourate al-qadr, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est une nuit mieux que 1000 mois. Khayru min alfi shahr. Al-Fishar, c'est 30 000 nuits. Al-Fishar, Al-Qurtubi dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Al-Fishar, parce que les Arabes à l'époque, les Arabes, quand on voulait donner quelque chose de grandiose, on disait Al-Fishar, par exemple. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ici, on peut le considérer comme c'est quelque chose de grandiose, on peut le considérer sur sa juste mesure, c'est-à-dire 30 000 nuits. Mais imaginez quelqu'un d'entre nous qui fait, par exemple, une sadaqa aujourd'hui, dans les 10 jours qui viennent, chacun il donne 1 euro. 1 euro. Et si vous tombez dans cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala il vous compte comme si vous avez donné 30 000 euros. Imaginez si vous donnez 10 ou 20 ou 30 ou 100. Si vous donnez 10 euros tous les jours, combien, si vous tombez dans cette nuit, combien Allah subhanahu wa ta'ala vous la multiplie. Regardez la générosité d'Allah wa karam Allah subhanahu wa ta'ala. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit A'maru ummati ma bina sittina wa sab'in. Les âges de ma communauté, c'est entre 60 et 70 ans. On est loin de la génération de Nuh. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. Mais le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala a réduit nos âges, mais il nous a donné des nuits comme ça, il nous a donné des moments comme ça, il nous a donné des jours comme Dhul Hijjah, des nuits comme les nuits de Ramadan, des jours comme le mois de Ramadan, pour justement multiplier toutes ces hasanat vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait des proches de lui, incha'Allah. Amin ayyuhal ikhwa. Barakallahu li wa lakum. Wa ja'alana min alladhina yasumuna wa yaqumuna wa yataqabbalu minhum Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ahdina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt. Wa barik lana fi ma atayt, wa qina sharra ma qadayt, innaka taqdi wa la yuqda alayk. إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أيها الإخوة, des frères vous demandent الدعاء.
pour des gens malades, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guérisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala descende la bénédiction et la guérison sur tous les musulmans et les mu'minines et les croyants malades cette nuit-là et ce mois-là, incha'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala yaltouf bina wa yaltouf bihim. Allahumma ihfaz aba'ana wa ummahatina wa ihfaz lana abna'ana ya rabbal alamin. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ربنا تقبل منا الصيام والقيام وألحقنا بالصالحين آمنين مؤمنين وادخلنا إلى دار السلام يا رب العالمين وارزقنا جوارك في الدنيا والآخرة يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم